expliqué, bah, que nous soyons déplacés. Ils sont encore en train de me prouver leur amour pour nous, pour notre couple. Et ça prouve encore une fois qu'ils nous soutiennent. Et donc, je peux rappeler juste une petite chose. On est en train de faire mieux que tout le monde soit vraiment heureux. On va faire vraiment le maximum. N'oubliez pas, c'est votre fête. Donc, nous avons passé sur mon colongo. Tout bon, c'est comme ça, mon colongo. Et l'ing. Mon colongo, nous avons une bisognance. Faites une bisognance pour tout ce pays. Donc, tout le monde n'a pas beau babari non te. Et lors de ça, les balles ambongo te. Nous t'as ça les balles ambongo. Et on est monté mon amour ambongo à couper le balaté. Donc, accrochez-nous. Et là, au babar là, accrochez-nous vraiment à Dieu. Nous avons passé la natangoune. Et pour au bayeté, nous avons surcapé merci. Parce que nous avons jugé noté. Peut-être des circonstances. Et lors où on a péché bino. Mais n'a pas que tout seul. Nous avons pas problème. Merci. Je remercie d'abord Dieu, voilà, pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Voilà. Parce qu'il n'y a que Dieu pour faire ça. Voilà. Toutes ces merveilles-là. Nos familles, nos amis. Donc je suis très contente. Donc la joie déborde, vous voyez, même mes sœurs, je ne dis pas les filles d'honneur, mais ce sont mes sœurs du cœur. Donc ils sont avec moi dans cette joie-là. Et que Dieu bénisse cette journée. Pour la bienvenue. Et je remercie tous les invités qui sont là parce qu'on ne les fait pas pour l'argent, mais c'est vraiment de l'amour. Il y en a qui sont venus de loin pour ça, mais parce qu'ils ont l'amour pour nous. Donc nous aussi, on vous porte dans nos cœurs. Donc merci beaucoup, c'est gentil. Les filles. De nous aider à rendre à Dieu un culte agréable. Saint-Esprit, merci pour ton soutien. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens nous aider ce soir à rendre à Dieu un culte agréable. Et nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Dans nos incapacités, accorde-nous toutes les capacités. Dans nos insuffisances, Saint-Esprit, rends-nous suffisants. Dans nos incompétences, rends-nous compétents. Nous avons besoin de la force qui vient de toi, Esprit de Dieu. Car la Bible déclare, nous rendons à Dieu un culte agréable par le Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, viens nous aider ce soir à rendre à Dieu un culte agréable. Accorde-nous les mots, accorde-nous les capacités. Dispose nos cœurs dans la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton soutien. Merci pour ton assistance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous voulons faire quelque chose. Je vais lire à notre place rapidement. Et partant de ces textes, nous comprendrons ce que nous devons faire maintenant. Je vais lire le psaume 150. Il est écrit: louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclaire sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec les luttes et la harpe.
Louez-les avec les tambourins et avec des danses. Louez-les avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-les avec les cymbales sonores. Louez-les avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Point. J'aime le verset 4 qui dit « Louez-les avec les tambourins et avec des danses. » Et la fin, la Bible dit dans le chapitre 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. On insiste même en disant « Louez-les. » Est-ce qu'il y a une personne qui respire ce soir en ces lieux? Je demande, est-ce qu'il y a une personne qui respire? Amen. Si tu respires, tu es là, tu respires, tu lèves seulement ta main, tu balances ta main droite, tu balances ta main droite, tu balances ta main droite. Là, le Seigneur voit que tu respires. Moi aussi, je constate qu'effectivement, tu es là, tu respires. Maintenant, selon les textes bibliques, on nous dit que celui qui respire fasse quoi? Que celui qui respire fasse quoi? Maintenant, comment nous allons louer l'Éternel? La réponse se trouve dans le verset 4. On dit, louez-les avec les tambourins et des danses. Qui est prêt pour danser maintenant pour le Seigneur? Qui veut danser? Bien-aimés, je n'ai jamais vu les gens danser assis. Si tu as déjà vu quelqu'un danser assis, dis-moi. Oh,
pas transpiré, il n'a pas dansé. S'il n'a pas transpiré, il n'a pas dansé. On a dit tout à l'heure, on dit, c'est louer l'Éternel avec des danses. Mais tu ne danses pas. Thank you.
Papa Léo,
sa condition après sa kinga. Ça c'est une condition qu'on m'avait donnée. Maloba qui était. On m'avait dit. Ça la balle qui parle comme un français kinga. Qu'elle a des frères et sœurs qui n'écoutent pas, qui ne comprennent pas le français. Maloba qui était. Ils ont dit. En tant que nganoko, lui en tant que oncle biologique, biologique, haïpe maman, l'oncle maternel, n'a pas ça. Donc on lui a recommandé de remettre la sœur au frère pour Lingala. Qu'il parle en Lingala. Pour lui. Frère, tu n'es pas un gendre, mais tu es un frère gendre. Parce que tu as fait tout ce qu'un homme est censé faire. La preuve en est que. Lui c'est son frère. C'est lui qui vient après celui qui parle. Il vient spécialement de l'Afrique pour qu'il soit témoin. Peut-être il dira autre chose à ce qu'il a reçu comme instruction. Que lui puisse transmettre à ses enfants. Il est venu spécialement pour le mariage de sa nièce. Alors papa Néo, au sali au mon père Sanak. Tu as fait tout ce qu'un homme devait faire. Yanga imbo walibala, yemu tabembelinga. Esengwe zali. Moi, j'ai pris ma part de la dot. Merci pour oyo sali, merci pour tout ce que tu as fait en tant que oncle. En tant que oncle, pambo libino na kombo na Yesu Christ. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. Ngenge makoli elobi ete. Ainsi dit les écritures. Multipliez-vous. Multipliez-vous. En tant qu'oncle, ma maison n'a que quatre chambres. Il n'y a plus de place pour elle. Ses assiettes ont déjà offert une autre. Qu'il pleuve, qu'il neige, c'est ton problème. Je te donne gratitude. Et d'écouter la voix du Seigneur par celui que le Seigneur a choisi ce soir. Là, je nomme le pasteur Jean-Félix quand il s'élève pour nous parler de la part de Dieu. Nous l'accueillons en acclamant pour la gloire de Dieu. J'aimerais encore t'inviter dans la prière. J'aimerais garder aussi les chants pendant quelques minutes, juste quelques minutes. J'aimerais que nous demandions encore la présence de Dieu. Vous savez, ma Bible me dit, là où règne la présence de ton autre Dieu, c'est l'absence totale de tout esprit contraire. J'aimerais que cet auditoire soit sous la couverture du Saint-Esprit. C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions encore adorer et prier, implorer sa présence. La Bible dit, celui qui cherche l'Éternel, cherche l'Éternel, il se laissera trouver. J'aimerais que ce soir, que tu puisses trouver aussi sa présence. Car il est un Dieu vivant. Entre dans la présence de Dieu. Oh,
J'aimerais que tu dises quelque chose. Nous sommes devant le trône de grâce de Dieu. J'aimerais que tu dises un mot devant l'Éternel. S'il faut dire un seul mot, que dirais-tu ce soir? Qu'est-ce que tu peux dire ce soir? Dis un mot à l'Éternel. Dis un mot à l'Éternel. Dis un mot à l'Éternel. Élève le nom de l'Éternel. Bénissons le nom de l'Éternel. Père, je te dis merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ces privilèges que tu m'as offert d'être devant ton peuple. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si je dois dire un seul mot ce soir, je dirais que ton esprit soit à l'œuvre. Que l'ombre s'éteint et que tu te manifestes ou que tu puisses te manifester au milieu de ton peuple. Cher Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus et que l'œuvre de l'Esprit s'opère et que l'homme s'éteint. Père, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer, faire du bruit pour la gloire de notre Dieu? Des acclamations ne me convaincent pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il ne faut pas se cacher derrière les musiciens. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il ne faut pas se cacher derrière. Est-ce que quelqu'un, je dis pour la gloire de Dieu, ne reste pas assis et glorifie le nom de l'Éternel. Si tu peux acclamer pour la gloire de Dieu, quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire de son Dieu. Maintenant, ensemble, nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Ensemble, nous allons faire des bruits pour la gloire de notre Dieu. Ensemble, nous allons faire des bruits pour la gloire de Dieu. Nous glorifions Dieu. Nous bénissons Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Qui est dans la joie? Ah, je ne crois pas que si quelqu'un est dans la joie, dit alléluia. Qui est dans la joie? Si, j'aimerais que quelqu'un puisse confirmer si tu es réellement dans la joie. Amen, amen. Moi, je ne crois pas que tu es dans la joie. Amen. J'aimerais que quelqu'un puisse m'aider si tu es dans la joie. J'aimerais que quelqu'un puisse m'aider si tu es réellement dans la joie. Amen. Si tu es dans la joie, dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si tu es dans la joie, dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment si c'était Macron? Si nous pouvons glorifier Macron, est-ce qu'on peut dire gloire comme ça assis? Mais moi j'adore un roi des rois. J'aimerais que nous louons le Dieu vivant, celui qui donne la vie, celui qui donne la paix, celui qui fait d'un homme qui devient marié, celui qui élève son peuple. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen. La joie de l'Éternel sera ta force. Vous pouvez reprendre votre place. Je rends gloire à Dieu pour l'amour, pour la grâce qu'il nous a offert d'être devant sa présence. Je sais que l'air avance vite, l'air progresse vite. Mais la Bible me dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Mais laisse-moi te dire, à ce temps présent que l'Éternel nous a offert, vous et moi,
d'être devant sa présence. J'aimerais que nous puissions recevoir quelque chose. Une parole qui donne la vie. Alléluia. Et laisse-moi t'apprendre. Et si nous sommes réunis ici ce soir, Dieu nous a réunis par quelque chose qui existait des siècles et des siècles. Alléluia. Laisse-moi te dire, dans certaines choses, il y a présent, passé, futur. Mais ce qui nous a réunis ce soir, il n'y a jamais futur. Il est toujours autant. Hein? Alléluia. Mais laisse-moi te dire, et lorsque Dieu nous permet à passer ces moments, parce que Dieu a quelque chose de merveilleux pour notre vie. Alléluia. Je sais que si tout le monde doit parler, je sais que chacun de nous aura quelque chose à dire au bien-aimé qui veut se marier bientôt, qui va se marier bientôt. Mais par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, le Seigneur m'a mandaté, m'a mis devant vous pour que je sois un canal de votre transmission, que je puisse leur transmettre la vérité de la parole. Alléluia. Je sais qu'ils auront toute forme de conseils, de vœux, de souhaits, mais la meilleure souhait que vous pouvez avoir, d'être accompagné par la parole de l'Éternel. Et laisse-moi te dire, celui qui reçoit la parole, reçoit la vie. Celui qui reçoit la parole, reçoit la vie. J'aimerais que tu comprennes cela. Quand tu reçois la parole, comment tu reçois la vie? Et la parole est capable de donner la vie. Il donne d'abord la vie terrestre. Si quelqu'un était malade, la parole peut te guérir. Ah, tes amens ne me convainc pas. Tes amens ne reflètent pas la fête d'aujourd'hui. Tes amens ne reflètent les fêtes des années 80. Alléluia. Donnez-moi un amen qui mérite le jour de fête. Et laisse-moi te dire, lorsqu'on reçoit la parole nous aide à recevoir aussi la vie. Et dans la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Et lorsque nous avons la liberté, nous sommes joyeux. Une personne qui est en prison n'est pas identique à toi. Je te vois beau et belle. Vous êtes tellement beau et belle. Et parce que vous êtes libre. Et ce soir encore, je crois par l'amour et par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné une petite parole, un petit message, une petite exhortation qui peut nous aider, qui peut aider à nos bien-aimés qui vont se marier bientôt à retenir des choses qui peuvent l'aider à vivre un mariage heureux. Alléluia. Il est très important parce que vous savez, il y a des gens qui cherchent des choses ailleurs. Mais laisse-moi te dire, si tu ne trouves pas ailleurs, viens auprès de l'Éternel, l'Éternel te donnera. Parce que la Bible dit, fais-le, l'Éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Tes désirs les plus profonds, l'Éternel est capable de répondre à cela. Même si on te dit impossible, le Dieu qui m'a mis devant vous, l'impossible n'existe pas devant lui. Ah, le Dieu qui m'a mis devant vous, l'impossible n'existe pas devant lui. Parce qu'une fois, il a dit que la lumière soit la lumière fit. Il a fait l'opération sans cicatrice et sans défaut, la femme est sortie. Alléluia. Est-ce qu'il ne mérite pas les acclamations? Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Je pense qu'à côté là vous êtes, peut-être il y a une Bible. L'église vous a prêté une Bible. Et si vous n'y en a pas, je pense qu'il y a des gens qui peuvent vous aider aussi à voir la Bible. Si vous voulez vérifier cette parole, nous allons lire le livre de Nombres. Alléluia. Nous allons lire dans Nombre, Nombre chapitre 14 et le verset 21. Je disais, nous allons lire dans le livre de Nombre, chapitre 14 et nous allons lire les versets 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplissent la terre. Je répète encore, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplisse la terre. Alléluia. C'est compliqué, cette lecture est tellement courte. Quelqu'un qui te dit aujourd'hui, mais je suis vivant et que la gloire de l'Éternel remplisse la terre. C'est une affirmation. Mais dans cette affirmation,
Cela dépend de toi. Lui, il est vivant. Alléluia. Lui, il est vivant. Et lui, il confirme que la gloire de Dieu remplisse toute la terre. Et laisse-moi te dire, si nous sommes ici ce soir, parce que notre Dieu est vivant, dans l'église qui nous a accueillis ce soir, nous croyons que Jésus-Christ vit. Vous pouvez dire, Jésus est mort. Mais nous disons, Jésus vit. Et ce soir, la Bible nous dit, je te dis et je t'enseigne, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplisse la terre. Moi, je crois ce soir que la gloire de l'Éternel remplisse la terre. Moi, je crois ce soir, l'Éternel, mon Dieu, est vivant. Moi, je crois ce soir, il est mort et ressuscité. Moi, je crois ce soir, il donne la vie là où il a pris la vie. Moi, je crois ce soir, s'il te touche, ta vie peut changer. Moi, je crois ce soir, et que la terre entière est remplie de la gloire de Dieu. Et laisse-moi te dire une chose. Esaïe a vu cela. L'opportunité que Dieu te donne, tu peux le voir aussi ce soir. Et qu'est-ce qu'Esaïe a vu? Je ne sais pas Esaïe, il était où? La Bible ne précise pas. Mais Esaïe était en train de s'occuper de ces choses, je ne sais pas. Mais les yeux d'Esaïe a vu dans une autre dimension. La Bible dit, Esaïe a vu Dieu au trône. Et les anges les plus puissants étaient là que pour l'adorer. Il disait, Saint, 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 et l'Éternel Dieu, Dieu des armées. Toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Toute ta vie est remplie de la gloire de Dieu. Toute ta vie est remplie de la gloire de Dieu. Et si tu vois cela, tu diras que toute la terre aussi est remplie de la gloire de Dieu. Et celui qui n'a pas vu comme Esaïe ne pourra pas témoigner toute la terre est remplie de la gloire de Dieu. Et ne pourra pas témoigner que l'Éternel vit. Parce que la Bible me dit, Dieu est esprit. Pasteur, que Dieu te bénisse. Il nous a posé la question, qui a déjà vu le vent? Qui peut nous décrire le vent? Oh non, il est pulé, il est comme ça, c'est compliqué. Alléluia. Et laisse-moi vous dire, si nous parlons de l'Éternel ce soir, parce que nous voulons enseigner à nos mariés, si vous suivez Dieu, si vous savez que toute la terre est remplie de la gloire, si vous savez qu'il est vivant, et laisse-moi te dire, tout ce que vous allez faire, vous allez réussir parce que l'Éternel sera avec vous. Apesanga menia songi songi. Et laisse-moi te dire, celui qui a Dieu a la vie. Laisse-moi te dire, le jour où Esaïe a vu cela, sa vie n'était plus la même. Et si tu comprends que la gloire de Dieu existe, ta vie non plus ne sera plus la même. Si tu comprends que la gloire de Dieu agit encore, ta vie non plus ne sera plus la même. Laisse-moi, je vais parler au fils qui est marié. Parce que vous n'êtes pas concerné. Si vous mettez Jésus au centre de votre couple ne sera plus la même. Et laisse-moi te dire, et celui qui aime Dieu, qui s'accroche à l'Éternel, peu importe là où il met ses pieds, la gloire de Dieu l'accompagne. Et lorsque quelqu'un se prouve qu'il est vivant, il y a des signes qui ne trompent pas qu'il est vivant. C'est pour cela que vous voyez, il parle par la parole. Ton Dieu est un Dieu véritable. Celui qui vit, il peut parler. Mais la Bible me dit, les morts ne parlent plus. Alléluia! Essayez de voir Bouddha, il est là, tout le temps en train de regarder dans une seule position. Mais notre Dieu, il parle jusqu'aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Étant donné qu'il ne change pas, il ne vieillit jamais, il ne perd jamais ses cheveux. Moi, j'ai une calvitie, lui non plus. Il reste toujours jeune des années et des années. Alléluia. Laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, si vous avez Jésus, si vous progressez en Christ, laisse-moi vous dire, peu importe le combat des sorciers, peu importe le combat des gens, peu importe les paroles des gens, vous serez toujours vainqueur. Parce qu'il m'a dit, je ne vous fais pas de vainqueur, mais je vous fais plus que vainqueur. Il y a des choses qui font peur aux gens aujourd'hui. Allez vers Dieu pour dire oui. Parce que quand vous venez ici, vous devez savoir, vos engagements vont rester jusqu'à la mort. Il y a des gens qui jouent avec Dieu. Je vais le faire et je peux changer d'avis. Mais devant Dieu, on ne change pas d'avis. La Bible dit que votre oui soit quoi? Oui. Que votre non soit quoi? Non. Est-ce que vous avez entendu cela? Et c'est un principe biblique. Et si nous sommes en Christ, lorsqu'il a dit oui, j'y vais, j'irai sauver l'humanité, il n'a plus de non. Malgré la souffrance. À un moment donné, la Bible m'apprend, il disait même,
Père, fais en sorte que ce couple s'éloigne de moi. Tellement c'était dur, mais il a fini par dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il y a même des gens qui ont peur à ce moment par de dire pour les meilleurs et pour les pires. Je veux le meilleur, mais Dieu fait en sorte que le pire ne vienne pas. Alléluia. Lorsqu'il sera malade, lorsqu'elle sera malade, lorsqu'elle sera malade, tu seras son appui. Lorsqu'il sera malade, tu seras aussi son appui. Alléluia. Essayez pas d'imaginer si on est des vrais amis. Lorsqu'un ami, quelque chose ne va pas, on le soutient. Alléluia. Et laisse-moi te dire, et c'est à ce qui concerne le mariage, il y a peut-être des juristes ici ce soir, les langages sont complexes. La loi dit, le mariage c'est un contrat. Alléluia. C'est la loi. Hein? Mais moi, qu'est-ce que ma Bible me dit? Je sais que ce soir, il y a déjà peut-être des intellects ce soir. Dans votre mathématique, il est écrit 1 plus 7 égale à 2. Mais celui qui m'a mis devant vous, celui qui veut que je puisse te parler, lui il m'a dit 1 plus 1 est égal à combien, hein? Vous n'êtes pas malade vous? 1 plus 1 est égal à combien, hein? Non, moi je pense qu'il y a un problème. Est-ce que vous pouvez me confirmer là-bas? 1 plus 1 est égal à combien, hein? Alléluia. Que Dieu te bénisse mon frère. Dieu aime les violents. C'est-à-dire lorsque nous parlons de Dieu et nous parlons de l'Éternel, notre expression n'est pas identique aux autres. Nous parlons notre langage. Notre langage s'appelle le langage biblique. Dans le langage biblique, nous disons 1 plus 1 est égal à 1. Et si vous êtes marié, et si vous prétendez être marié, et soyez seulement 1, vous allez sentir l'autre. Tu ne peux pas faire, tu ne peux pas taper l'autre main. Tu ne peux pas faire du mal à l'autre main parce que ça t'appartient. Alléluia. Et dans mon langage de la Bible dit, même pour une femme, son corps de lui appartient. Vous n'êtes pas là pour répondre. Son corps de lui appartient. Hein? Donc, maman, qu'elle est comme elle est là, malgré sa beauté, mais son corps ne lui appartient. Hein? Alléluia. Vous allez se rendre compte, le médecin te dira que c'est toi, mais Dieu te dira que vous êtes un. Et laisse-moi te dire, dans quelques minutes, dans quelques secondes, Dieu va vous unir, unir par les liens de mariage. Et la Bible me dit, c'est que Dieu a uni, que personne ne puisse te séparer. Mais laisse-moi te dire, la loi mondaine te permet un jour d'avoir un juge. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu viens auprès de l'Éternel, il n'y aura aucun juge pour changer cette parole. Alléluia. Alléluia. Il y aura quelques personnes pour changer. Et lorsque nous parlons, je parlais des juristes. La loi dit, les mariages c'est un contrat. Vous amenez votre part de responsabilité. J'amène mes parts de responsabilité. Ou soit on fait communauté de quoi? Oh, vous savez ça bien. Hein? Ou soit on fait le contrat, c'est quoi? Amen. Mais laisse-moi te dire, dans le langage de la parole de Dieu, laisse-moi te vous dire une chose. Il n'y a aucune séparation. Tu n'auras rien, berger néo, qui t'appartient pour toi seul. Ce qui t'appartient appartient aussi à ta femme. Il n'y aura aucun endroit que ça sera mentionné. Ça, il n'y aura aucun contrat que vous allez signer. Mais comme la parole dit que vous êtes une seule personne, vous serez une seule personne, vous n'allez pas faire le contraire de la parole de Dieu. Alléluia. Et comme je disais, comme Christ, vous devez se rendre compte, comme j'ai parlé des juristes, les juristes se disent, à un moment donné, tu peux décider de se séparer de l'autre. Mais si nous sommes ici, parce que nous sommes régis par la loi de Dieu, la loi des hommes existe, mais la loi de Dieu existe. Mais laisse-moi te dire, la loi de Dieu est plus puissante que la loi des hommes. Alléluia. Vous savez, est-ce que je ne sais pas si quelqu'un sait que des messieurs et madame
qu'à ceux qui sont ici présents. Ils sont serviteurs et servantes de Dieu. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour leur dire une chose. Cela est mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 13. La Bible dit, si vous avez, vous pouvez parler en langue. Je ne sais pas parler même les langues des anges. Dans votre foi, déplacez même des montagnes. La Bible dit, si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien devant Dieu. Dieu ne considère pas quelqu'un qui manque l'amour. Aimez-vous sincèrement. C'est la recommandation que Dieu vous dit aujourd'hui. Cela ne veut pas dire par la langue c'est mauvais, non. Mais des gens, des personnes qui s'aiment réellement, chaque fois que vous allez évoluer, Dieu sera avec vous. Alléluia. La continuité. Comme je disais que quand on s'engage avec Dieu, on veut aller plus loin. Je rends gloire à Dieu parce que l'ennemi pouvait vous vaincre avant. Comme l'ennemi a échoué avant le jour de jury est arrivé. Il finira toujours par échouer chaque jour qui viendra dans votre maison. Ah, yozo convaincre ngate. Chaque fois que l'ennemi viendra toquer dans votre couple, il va toujours échouer. Je déclare ça sous l'autorité de Jésus-Christ. Et que toutes les complications qui amènent des divisions dans le couple n'atteignent pas votre vie ainsi que votre maison. Et cela au nom de la continuité. Et si Christ est au centre, la continuité ne sera pas un problème. Parce que Dieu sera toujours là pour vous assister. La première continuité qui vous aidera à avancer, ne lâche jamais Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible me dit, avec Dieu nous ferons des exploits et vos ennemis seront écrasés. Chaque fois que Jésus sera au centre de votre couple, rien ne pourra vous nuire. C'est pour cela que la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et chaque fois que vous allez garder Jésus, jour et nuit, dans votre vie de prière, dans votre relation avec Dieu, l'ennemi ne pourra en aucun cas vaincre. En aucun cas vaincre. Il y a une chose qui est très bien. Une seule chair. Lorsque nous parlons, j'avais expliqué de la loi mondaine. La loi mondaine parle d'un contrat. Mais moi, ma Bible me dit, vous avez des droits et des devoirs. Alléluia. Ah, Pesanga Amen ya Songi Songiko. Vous avez que les droits et des devoirs. Le droit d'être aimé. C'est un droit que berger ne doit te rendre. Papa ne doit te donner. C'est un droit. Vous savez aussi, lui aussi a des droits. Surtout que ton corps ne t'appartient plus. Mon frère, désolé, hein. Je sais que la famille a eu sa part. Désolé. Maintenant, c'est Dieu qui veut avoir faire sa gloire. Et si nous sommes dans ces lieux, pour que la gloire de Dieu descende dans cette couple. Et lorsque la gloire de Dieu descend, Dieu vous a piégé. Lorsque vous avez accepté ce que Berger de Papa Néo vous a donné, vous êtes mis en accord avec la parole de Dieu. Moi, je vous parle pour que vous envoyez ce message-là au niveau de ta famille. De vos papas, mais aussi de ta famille. Cela veut dire, à l'instant même qu'ils sont venus devant Dieu, vos liens sont coupés au nom de Jésus. Pasteur vient de dire ici une chose. Que le fait seulement d'entrer ici dans cet lieu, Dieu lui a fabriqué Néo. Il a fabriqué Kelly à travers Néo. Bien qu'il est né dans votre famille, la mathématique de Dieu ne dépend pas de ces choses de votre famille. Cela dépend seulement de ce que Dieu a déclaré. Maintenant, c'est la volonté de Dieu qui va s'opérer dans leur vie au nom de... Alléluia. Et si vous allez respecter ses droits et des devoirs, l'Éternel va vous assister. Et chaque fois,
papa et maman, vous aurez besoin de soucis, n'allez pas chez d'autres personnes. Confiez-vous à l'Éternel. La Bible dit, mets à lui la confiance. Et il fera quoi? Que la confiance ne soit pas des hommes. Des gens te diront, je suis expérimenté au mariage. Voici mes conseils. Né, on ne pourra plus fuir. Mais l'homme échoue toujours. Dieu n'échoue jamais. L'homme n'échoue toujours. Et Dieu n'échoue jamais. Et lorsque vous aurez, je rends gloire à Dieu, parce que Dieu vous a donné aussi des parrains. Il vous a donné aussi des serviteurs de Dieu. Des gens qui peuvent vous aider à aller plus loin avec Dieu. Évoluer avec Dieu, c'est la chose la plus complexe. C'est le plus compliqué. Et leur assistance sera favorable. Et que mettez au centre de votre vie la parole de Dieu. Et Dieu vous bénira. Que Dieu bénisse la parole de Dieu. Mais à une autre partie importante, très importante même, je dirais, qui fait que nous puissions être là. Ils ont besoin de la bénédiction des dieux. Alors pour cela, nous laissons la parole à l'évangéliste Marc. Quand il avance, nous acclamons le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Franchement, je suis ravi et je suis content d'être ici à Saint-Brié. Je me présente, je suis évangéliste Papi. Mon prénom, c'est Papi Lokota, Marc. Je suis pasteur de l'église La Famille Chrétienne. Je viens de Paris, à Saint-Denis, précisément. L'église est à Saint-Denis. Donc, je suis honoré par le couple Néo, parce qu'ils ne sont pas encore Castello. Donc, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma femme, Clarisse. On est de parrains et je vais faire aussi les services de bénir le couple. Donc, pour moi, je dis un grand merci. Vous savez, la bénédiction, c'est quelque chose, des fois, on arrache ça. Je me souviens, dans ma bénédiction, le papa qui m'a béni, il était aussi parrain. Et du coup, j'ai aimé ça. J'ai dit, moi aussi, je serai comme ça. À chaque fois que je vais aller bénir, je serai aussi parrain. Donc, c'est là, à travers la foi, j'ai hérité ça. Et je suis vraiment honoré depuis que j'étais ici. Depuis hier, je vis beaucoup de petits frères, beaucoup de familles. Et je suis vraiment content d'être parmi vous. Et je voulais d'abord témoigner l'amour que j'ai trouvé ici, à Saint-Brié. J'ai trouvé vraiment l'amour. Donc, je demanderai aux serviteurs qui sont ici d'être unis pour avancer. C'est vraiment important. Et j'ai vu comment les gens sont mobilisés pour le mariage de Néo. Et vraiment, franchement, que le Seigneur vous bénisse. Donc, soyez bénis. Je vis que toute la ville était contente. Donc, je ne sais pas, mais ce que je vis, c'est ce que je vais témoigner. Donc, que le Seigneur vous bénisse déjà. Soyez richement bénis. Et là, je me présente pour bénir le couple. En fait, ici, c'est la bénédiction. Ce n'est pas vraiment le mariage. Et l'oncle, il a témoigné. Ils ont eu la dot. Donc, Néo, il est déjà marié. S'il faut regarder dans la Bible, nous allons trouver le mariage, c'est dans la famille. Mais la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, il y a le mariage coutumier, il y a la reconnaissance de l'État, et ici nous sommes pour sceller, donc bénir le couple. Et je ne voulais pas même demander, parce que l'oncle, il a fait les témoignages, qu'ils ont reçu la dot. Donc, gloire au Seigneur. Et nous sommes ici pour bénir le couple. Et je suis fier, je suis content d'être parmi vous, parce que
Il y a longtemps qu'on se connaît avec la famille Castello. Et je voulais témoigner un peu. Parce que j'ai retenu mes larmes quand je vis Pelagie pleurer. Et l'autre, Alegria, et quoi, Fracatino. Ils m'ont réci dans leur maison. On dormait dans les tanks. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les gens qui habitaient, ils ont habité en Angola. En fait, je venais du Congo pour suivre ma femme. Mais à l'époque, on n'était pas encore mariés. Et du coup, il y avait une sœur qui m'avait accueilli. Et son mari ne me supportait pas. Donc, j'étais obligé de quitter leur maison, de commencer à passer la nuit dehors. Et comme ils ont su que j'étais serviteur de Dieu, la première personne qui m'avait reçu, c'était leur tante, Pelagie. Donc, après, Néo, il m'a proposé de commencer à passer la nuit où? Dans une tente là. Et un jour, on était là, il y avait des bandits qui passaient, ils ont commencé à tirer. J'étais obligé d'entrer dans leur maison. C'était le jour où j'ai entré dans leur maison. Mais ils m'ont reçu comme un serviteur de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble, on est soudés. Et quand Kelly, elle était arrivée ici, elle a passé chez moi et Néo m'a appelé que regarde ma proposante. Ben, il avait déjà choisi. Donc, on a passé deux moments ensemble. Et vous savez, dans la bénédiction, il ne faut pas choisir n'importe quelle personne. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Il faut connaître d'abord le témoignage de la personne. Parce que la Bible dit, on donne que ce qu'on a. Kondimate va pas en boulot parce que pasteur Wana la tarafeste à Kito. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Il faut voir déjà. Vous savez, il y a son oncle qui m'a dit, ah ti papi, toi tu ne peux pas me prêcher parce que ton comportement me prêche déjà. Et le jour où il m'a dit ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Et je ne peux pas lui prêcher parce que mon comportement. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Et je sais qu'ensemble avec les serviteurs de Saint-Brié, nous allons déposer la bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Ensemble avec les serviteurs de Saint-Brié, nous allons sceller ces couples. Mais j'ai préparé quand même des conseils. Vous savez, quand vous êtes des parrains, ce n'est pas facile. Mais moi, je peux vous dire, depuis qu'on a été parrainé par nos papas, aucun jour j'ai appelé mon père pour me dire que Clarisse, elle m'a fait ça. Non. Ce n'est pas que vous avez choisi petit papy pour appeler tout le temps. Et à Salinga Boye. Non, 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 on n'a pas le temps. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Il y a des choses, ça se règle à la maison. Ce n'est pas que non, ah non, je vais aller chez le parrain. Non, 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 non. Passer la nuit chez le parrain parce qu'il y a un an où il m'a fait ça. Non, j'aimerais être clair. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? On ne peut pas parrainer un couple pour qu'il vienne tout le temps pour déranger. Non, là, ça devient un dérangement. Puisque vous êtes des serviteurs de Dieu, quand je parle avec votre pasteur, il dit qu'ils sont serviteurs de Dieu. Et je dirais gloire au Seigneur. Parce que Néou, le premier travail que je fais en Angola, c'est lui qui m'interprétait. Donc c'est moi qui ai pris Néou. J'ai dit, aujourd'hui nous allons monter à la chaire pour prêcher. Et aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, je suis là pour bénir son mariage. Donc, il y a l'histoire qui est là. Et je suis content d'être devant vous, avec les serviteurs de Dieu. Mais il faut considérer la bénédiction, c'est ça. Vous savez, Jacob, il a lutté. Il a fait passer tout le monde pour lutter pour sa bénédiction. Vous devez lutter. Et à partir d'aujourd'hui, votre vie va changer. Même votre ministère va changer. Mais n'attendez pas que quelqu'un va te glorifier, non. Et il faut avoir un cœur, Kelly, de supporter. Si tu voulais être grand, il faut supporter que tout le monde puisse te critiquer. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? La force d'une servante de Dieu, c'est le critique.
Et la force d'un serviteur de Dieu, c'est les critiques. Le jour où on arrêtera de vous critiquer, cela veut dire que vous avez rien. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Et je voudrais lire juste en lisant 1 Corinthiens chapitre 7. Je vais commencer par le quatrième verset. Je voudrais faire la lecture ici parce que la Bible dit, ce n'est pas à la femme qui est la maîtresse de son corps. Le pasteur, il a dit ça ici. Maintenant, ton corps appartient à Yanéo. Si je dis Yanéo, parce que tu as l'habitude d'appeler Yanéo. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Mais aujourd'hui, tu ne vas pas appeler Yanéo. Amen. C'est pas, maintenant, ce n'est pas ton corps, c'est le corps de Yanéo. Néo. Parce qu'avant, il avait l'habitude d'accuser tout le temps sa femme. C'est pas moi, c'est l'évangéliste, c'est Kelly. Un jour, j'ai dit, il ne faut pas dire que c'est Kelly, c'est toi. Est-ce que quelqu'un veut dire gloire au Seigneur? Il y a, je pense qu'il y a 4 ans, 3 ans, on était ensemble chez moi. Et Néo, il a commencé à accuser sa femme. Évangéliste, c'est pas moi, c'est Kelly. Je dis, non, mais arrête avec ça. C'est toi, c'est pas Kelly. C'est pas, c'est toi. Parce que le chef, c'est l'homme, c'est pas la femme. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? La Bible est claire ici. Hein? La Bible dit, ce n'est pas la femme qui est la maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est le maître de son corps, mais c'est sa femme. Ne vous privez pas l'un et l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, enfin de vous consacrer aux gens et à la prière. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. C'est la prière. C'est pour cela que nous, on est de fous. Les matins, nous sommes là en train de crier. À midi aussi. Le soir aussi, on est devenus de fous pour Jésus. J'ai toujours l'habitude de dire à ma femme, si aujourd'hui, moi je quitte Jésus, on ne sera pas ensemble. Si aujourd'hui, toi aussi tu abandonnes Jésus, on ne sera pas ensemble. Donc, je voulais vous dire que déjà vous êtes une bénédiction pour cette ville. Vous êtes une grande bénédiction pour cette ville. Et vous êtes une bénédiction pour le pasteur aussi. Vous êtes une bénédiction pour cette église. Vous savez, il y a des paroles qui restent, ça peut vous suivre partout. Vous êtes une bénédiction pour votre papa. Et vous êtes une bénédiction pour cette ville. Vous êtes... Je vis comment la ville le mobiliser. Et j'ai aimé cet amour. Donc, la bénédiction change. Mais il faut accepter les changements aussi. C'est quelque chose qui est très important. Et maintenant, je vais vous inviter. Vous savez, la famille, maintenant, ce n'est pas la famille. Et j'avais même dit, hein, oncle, kuna maramnawe zasute, parce que au yibinga gloire nangaya, nande fane na kotsaya, kuna yo esito sisinaya. Tu as témoigné un point. On n'a pas si au moins qu'on pour nayo mais. Amen. Oui, pas besoin de gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Je vais inviter le marié de s'élever. Mais ça ne sert à rien de demander la famille, de demander l'église. Parce que si nous sommes là, c'est pour honorer les mariés dans leur bénédiction. Et je voulais d'abord demander à Néo, est-ce que vraiment tu as regardé c'est ta femme? Oui. Non, regarde d'abord bien. Mariage, on ne joue pas avec ça. Est-ce que vraiment c'est Yanéo? Yanéo!
La Bible dit quoi? L'homme quittera, il s'attachera, il quittera tout pour s'attacher à qui? À sa femme. Il quittera pas Jésus, hein? Pas Jésus. Les restes tu fais quitter, mais pas Jésus. Et tu fais que qu'on puisse donner d'abord à l'homme le tout. Amen. Vous savez, ce qu'on est en train de faire ici, regarde, il y a beaucoup de monde qui sont ici. Mais ce qui est important, ce n'est pas un contrat CDI, CDD, non. Ce n'est pas un CDI. Parce qu'un CDI dans le contrat CDI, l'entreprise peut faire faillite. Amen. Mais ce n'est pas un contrat CDI. C'est pour jusqu'à la mort. Amen. Amen. Et je voulais que le Seigneur, il est ici. Il est ici avec vous. Il est témoin. Et le jour où tu oseras, ce n'est pas à moi de dire ce qui va arriver. Et je voulais te demander si vraiment tu as accepté Kelly. Qu'elle soit ta femme jusqu'à la fin de votre vie. Oui, j'accepte. Et il faut le demander. Motivation, gros. Ce que je sens pour ma future épouse, c'est plus profond de la profonde de la mer. C'est le sentiment que jusqu'à aujourd'hui, les poètes t'attendent d'écrire. Vas-y. Je vais rassurer ma belle famille, qui est aujourd'hui ma famille aussi. Je ne ferai pas comme Abraham qui est devant Pharaon, il a nié sa femme. Ouais. Je vais suivre les pas de Maître Jésus. Oui. Et je vais aller mourir pour ma femme. Amen. La taille, c'est pas la même taille. Maintenant, on saura. Donc, c'est à Néo de choisir la bonne taille. Allez, vas-y, gros. Yes. Voilà. S'il vous plaît. Si vraiment ça va rentrer, il faut parler. Quand tu regarde d'abord ici. Quand tu regarde d'abord. C'est juste. Et d'après ton pote Zoloba, soyez quand même hésitation dans le Kata. On vous laisse des témoignages. Ma caméraman va s'aider. Cette bague, c'est pas notre amour. Mais c'est juste un symbole de l'amour que je sens pour toi. Et je suis en train de faire ça convaincu dans mon cœur que mon amour pour toi il restera jusqu'à la fin de la vie. Mas uma vez, eu vim diante de Deus e da minha família e da família de minha esposa. Este aqui não é o amor que eu sinto, mas existe um símbolo. O amor perfeito que Deus colocou no meu coração. Amém. Obrigada!
Amen. 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 En fait, je pleure pas parce que je suis triste, non. Je pleure d'émotion. Il n'y a que Dieu qui sait où il nous a ramassés. Il n'y a que Dieu qui connaît notre histoire. Donc, il m'avait promis. Il va m'honorer devant ma famille, devant l'église, et devant ce Dieu-là qui m'a appris à connaître. Et avec lui, je suis devenue une meilleure femme. Cela, moi, je dis toujours, il est mon papa. Je l'appelle Yadeo parce qu'il est mon meilleur ami de tous les temps. Amen. Moi je vais chanter parce que sinon je vais que pleurer. Zambe Nangai, Azali Nabomo. Thank you.
votre mission commence ici à l'église. Si tu voulais aller loin avec papa, chante ensemble. Thank you.
de la mariée. Après Moïse, l'Éternel a dévoilé à Moïse, à Josué le secret de la réussite de Moïse. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux, mais dit que les jours de lui seront longs que pour ici. Vous êtes deux, mais comme maintenant vous êtes unis, je vous donne une seule Bible. Chaque fois que vous aurez des problèmes, des difficultés, des soucis, chaque fois que vous allez sentir abattu, découragé, consultez ce livre. Parce que dans ce livre, toutes les réponses nécessaires, Dieu a mis dedans les rangs. Et Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu vous accompagne. Dans cette ville que vous êtes, si vous n'êtes pas les surveillés, soyez dans la joie. Respirez l'air frais de la mer. Et que Dieu te bénisse. Amen. Il y a encore une chose. L'église a préparé un cadeau pour elle. Si toi aussi tu ne seras pas là, le soir tu seras absent. Peut-être il y a autre chose. Si tu as d'autres préoccupations le soir, si tu as préparé ton cadeau, je verrai que pendant ce temps, les chants vont chanter. Amène ton cadeau. Mais je verrai que ma maman Maza. Ma maman Maza. C'est la maman, 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 maman